ce lundi 13 mai, nous avons eu le privilège d'avoir la visite du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Le docteur Denis Mukwege avait émis le souhait de venir observer nos laboratoires et notre centre de génétique afin de pouvoir collaborer et de développer les bases d'une réflexion qui permettrait à long terme de travailler avec son hôpital à Panzi dans le sud Kivu. Alors le docteur Mukwege a visité les laboratoires d'anatomopathologie et de biologie moléculaire et il a été très surpris du haut niveau et du potentiel que nous pourrions mettre à la disposition de sa cause au sein de notre institution. L'IPG pourrait soutenir la cause du docteur Mukwege dans trois domaines. Le premier domaine, c'est un partage et un échange de compétences, notamment au niveau de la formation. Le deuxième domaine, c'est dans l'approvisionnement en matériel médical dont l'hôpital de Panzi souffre cruellement. Et le troisième domaine, c'est en soutenant la fondation du docteur Mukwege à Panzi. Je tiens d'abord à remercier l'Institut des pathologies et de génétique de m'avoir accueilli. J'étais très impressionné par le travail qu'ils font, dans l'esprit aussi que ce travail est fait. Je ne m'imaginais pas en fait cette grandeur où les gens ils sont soudés pour un objectif. Et je voulais ici présenter mes remerciements de m'avoir invité, mais aussi à tous les personnels pour le travail que vous faites, puisque vous y croyez. Et quand on croit, on déplace les montagnes. Félicitations à vous toutes et à vous tous.